Bienvenue sur Vivre au Canada, la web TV pour découvrir le Canada sous tous ses aspects. Au Canada, le réseau ferroviaire est peu développé. On voyage donc par avion ou par bus, solution bon marché, mais plus lente. Il est ainsi très facile de traverser le pays, voire de passer la frontière pour voyager aux États-Unis. Les gares d'autobus, comme celles de Toronto, d'Ottawa ou de Montréal, sont généralement situées à proximité du centre-ville, et facilement accessible en transport en commun. De nombreuses compagnies sont présentes dans ces gares et proposent un large éventail de destinations et de voyages dont les horaires sont disponibles au stand d'information. Si les prix des billets peuvent varier selon les compagnies, on peut généralement obtenir des réductions en réservant son voyage par internet avec une certaine avance ou en possédant une carte d'étudiant. De plus, un voyage aux États-Unis nécessitera un passeport valide. Le principe étant celui du premier arrivé, premier servi, il est conseillé d'arriver suffisamment à l'avance à la gare pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Passer une frontière américaine peut prendre un certain temps, même si la procédure est relativement simple. Une fois ces procédures terminées et les heures de voyage écoulées, vous pourrez enfin profiter pleinement de votre séjour. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de Vivre au Canada, et d'ici là, bonne semaine à tous!